non, non, s'il vous plaît, c'est bon, j'en ai marre, moi, j'en ai marre, ce jeu-là, c'est bon. Ah, c'est là. Non, c'est pas là? C'est à moi. Ouais, génial. Alors, ah, c'est là. Comment on ouvre? Qui me parle? C'est toi? Gas room. On va se faire cramer la gueule, même pas. Mais comment? Oh putain, c'est encore lui. C'est pas possible. J'espère qu'il va mourir, lui. Foutre la paix, là. On peut même pas admirer des bras tranquilles. C'est quoi ça aussi? Un cœur? Un cul? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment des gros tarés. Mais ça irait bien dans mon salon, ça. Même dans ma chambre. Un bras, une tête, un truc comme ça pour décorer. Parfait. Quoi, il est où? Mais t'es coincé! Putain, mais c'est n'importe quoi, c'était fermé! Mais merde. Bon, on revient là. On va aller par là. Ouvre la porte. Je dis pas que c'est un cul-de-sac. Merde, jamais cul-de-sac. Attends, on peut pas aller là? Ah non. Il est où? Saute par-dessus le lit! Passe par-dessous le lit! Non, monsieur! Non! Non! Tends-moi! Tends-moi! Comment voulez-vous que je passe une bonne nuit après ça? Ça va, quoi. Merde. Par où? Ah, là, on n'est pas allé. Parfait, parce que tout simplement, c'était pas par là. Youpi! Tu m'auras pas. Mais putain. Avance. Miles. Ah non, c'est pas. Mais comment ça se fait qu'il aille aussi vite? C'est pas parce que t'es tout nu, t'as le droit de faire ce que tu veux. Bordel de merde! Si lui il est là, que moi je suis là, ça veut dire qu'on peut essayer de bien s'entendre. Il a pas l'air décidé, ce connard de merde. Attends, tout à l'heure on était allé là. Pourquoi ils me disent d'aller par là, sachant que c'est pas par là? Parce qu'il y a une porte qui est fermée. Non, j'en ai marre. C'est bon. Mais je vais dans les endroits, c'est même pas des portes. J'en ai marre, je vois qu'à chaque fois, on dirait quand j'étais avec Petit Cochon les autres fois là. C'est que Petit Cochon, il était lent, c'était facile à semer. Il y a écrit quoi? Gazboom, ok, on te suit. Ensuite. Gaz room, ok. Mais c'est fermé ta gaz room de merde! Casse-toi! Casse-toi! Je veux bien aller dans la gaz room, mais merde quoi! On tourne en rond, on tourne en rond. Peut-être parce que c'était là! Eh ouais! Je l'ai vu! Je l'ai vu la première fois que c'était là! Et là, comment tu fais, espèce de gros cul mouillé plein de merde? Connard! J'en ai marre de toi! Pas possible. Ouh, voilà!
Et là, on devrait être tranquille. Voilà la gas room, ce que je demande depuis tout à l'heure. Ah, voilà. Tout simplement. Parfait, parfait. Parfait, merci. Je demandais rien de plus. C'est tout ce que je voulais, c'était pouvoir aller dans la gas room. C'est-à-dire que maintenant, on peut traverser la gas room, mais ça veut dire qu'on va le rejoindre, donc c'est complètement débile. Ça veut dire quoi, alors? Mais je veux pas que tu me sentes. T'as pas encore compris ça? Ah oui, donc c'est-à-dire que là, on peut aller là, et que cette fois-ci, ça sera ouvert. C'est ça? Et dans ton cul, tu l'as bien profond, j'espère. Comme ça, moi, je récupère les piles. C'est vraiment parfait. Parce que j'adore ramasser les piles dans des asiles de fous. Père Martin! J'espère qu'il y aura Père Martin cette fois-ci quand même. Si on le cherche depuis des semaines. Lendemain de cuite. Ouais, je sais, je connais, t'inquiète. Ah là 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 là. Mon pauvre. Je vais te chercher un plat de pâtes, t'inquiète pas. Tout ira pour le mieux ensuite. Bon, allez. Pour une fois qu'on a réussi à rester en vie plus de 10 minutes, c'est vraiment parfait. Non, ça fait même pas 10 minutes en plus, mais c'est pas grave, c'est une façon de parler. Alors on va où? Urologie, parfait. Parfait. Comment vas-tu? C'est vraiment parfait, c'est exactement là où j'avais besoin d'aller. Ça veut dire que c'est... Ah, la librairie, je suis pas fou. Je ne suis pas fou. Bien. Alors, il y avait rien ici. Ouais, non, ça fait trop de bruit, moi je vais par là. Neurologie. C'est vraiment parfait aussi. Mais il est où, Père Martin? Allez, parc.